C'est une baisse qui est assez logique, car 2021, comme vous l'avez dit, était une année exceptionnelle. Et donc, il est difficile de reproduire des années exceptionnelles à la suite. Et puis, c'est la rentrée littéraire qui est très importante. C'est faite avec un petit peu moins de visibilité, dans une ambiance un peu plus tendue. On assiste quand même à une crise économique et de pouvoir d'achat qui a pesé un petit peu sur l'enthousiasme de 2021. Et à l'arrivée, ben, on a 9% de moins, mais on reste toujours supérieur à 2019. Il y a un ouvrage qui a attiré quand même les ventes. Vous êtes venu avec, c'est Le Monde sans fin, la BD de Jean-Marc Jancovici. Combien de ventes sur l'année ? Alors, c'était la meilleure vente de livres de 2022, mais d'un livre qui est paru en 2021. C'est ça qui est étonnant, si vous voulez. Ça a été une très grosse vente en 2021, mais qui s'est poursuivie toute l'année. Et aujourd'hui, on devrait être à plus de 700 000 exemplaires vendus. Et ça ne s'arrête pas.